Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Fifi. unboxing aujourd'hui avec la boutique GBFKE. Alors, on va voir des ronds dans mes lunettes. La luminosité est très bonne, hein, voilà. Mais quand on porte des lunettes, vous voyez les ronds de l'anneau lumineux. Alors, là, si je me mets en plus clair, voilà. Alors, je me le suis acheté ce matin, cet anneau, chez Action. Il était en promo, donc voilà. Bon. Aujourd'hui, donc chez GBFKE, par contre, moi, ça me fait beaucoup de lumière. Il va falloir que je m'habitue, voilà, ça ira un peu mieux. J'ai les yeux fragiles, alors c'est pas top. J'ai à vous présenter aujourd'hui deux broderies, voilà. Alors, il y a une broderie, ce sont toutes les deux des 11 CT, une qui fait 40 sur 50 cm et une qui fait 50 sur 66 cm, voilà. Je vais vous mettre aussi en incrustation le code promo que j'ai avec la boutique GBFKE, c'est-à-dire DIDIT-5, voilà, ce qui vous apportera une réduction de 5% sur votre commande. Ah oui, ma fifi, oui. Je m'installe face bureau et on se retrouve tout de suite. Alors, voici le premier, donc qui vient de la boutique sans nom, voilà. Bon, il y a Fifi qui s'installe à un côté, mais voilà. Donc, bah, je vous montre tout de suite le dessin. Alors, je l'ai adoré. Alors, dans cette série-là, il y en a deux. Voilà, donc ça, c'est le premier. Hop, voilà. Regardez-moi ça, il est tout beau, il est magnifique. Il y a beaucoup de détails, mais il est trop, trop beau. Bon, si vous me voyez bouger, c'est parce qu'il y a Fifi qui essaye de passer, vous voyez. Allez-moi, Fifi. Oh, ish, excusez-moi. Donc, voilà. Alors, avant de vous montrer les fils et la toile, on va regarder le patron. Mais bon, dans la compagnie sans nom, il n'y a jamais de souci. Hein, voilà. Et on voit bien le personnage, on le devine. Donc ici, vous avez comme d'habitude les instructions. On va retrouver ici, voilà. L'image, bon, elle est un peu petite, elle est floutée, hein, là. Donc, ici, on va retrouver, alors, attendez que je vous mets bien, voilà, les symboles. Donc, la première colonne, c'est les chiffres sur la plaquette de fil, les symboles que l'on retrouve sur le patron et sur la toile. Et ici, les références DMC. Et la dernière colonne, ce sont les couleurs approximatives réelles de ce que vous allez broder. Alors, on va profiter pour regarder tout de suite les symboles. Voilà. Bon, c'est toujours à peu près les mêmes, hein. Ça ne change pas. Et le nombre de couleurs pour ce kit, voilà, il est de 42 couleurs. Alors, est-ce qu'on a le 939? Non, on a le 938. Est-ce qu'on a le 310? Oui, on a le 310. Et le blanc, c'est le 3865. Donc, ce n'est pas le vrai blanc. Bon, niveau impression sur le papier, de toute façon, il n'y a pas de problème. Hein. Ça, c'est comme toujours. Vous voyez, c'est très bien imprimé. Bon, il y a un petit peu de confetti. Mais j'aurais cru qu'il y en aurait eu plus, tiens.
J'aurais cru qu'il y aurait eu plus de confetti, mais non. Vous voyez, il y a même du bloc, hein, là. Donc, ça va. Alors, on a un petit toolkit. Avec le petit pompon, l'enfil aiguille, le petit anneau en métal qu'on ne se sert pas. Et on a trois aiguilles. Cinq aiguilles, excusez-moi. Alors, désolé, j'ai oublié de déballer mes fils. Alors, on va avoir de la tresse. Bon, ça, c'est le noir, hein, à tous les coups. Oui, ça, c'est bien le noir. Deux tresses. Les fils sont bien brillants. Là, on en a deux comme ça. Deux comme celui-ci. Est-ce qu'on voit bien la couleur? Et là, ce ne sont pas les mêmes, mais il y en a un de chaque. Ensuite, niveau des couleurs sur les tables plaquettes. Alors, on va commencer par la plus petite. Voilà, regardez-moi. Ces jolies couleurs, les fils sont super brillants, très très doux en plus. Et sur la deuxième plaquette, hop, regardez-moi le premier là, ce prune, il est trop trop beau. Bon, le deuxième c'est le noir, du rouge, du beige. Vous voyez comment ils sont brillants. Ils sont vraiment très, très beaux. Mais niveau qualité de fil chinois, ils se sont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup améliorés. Je me rappelle, il y a plusieurs années en arrière, hein, même 10 ans, même plus, les fils n'étaient pas du tout de bonne qualité, ils étaient ternes, ils étaient cassants et tout, mais alors maintenant, ils sont vraiment très très beaux. De superbes couleurs. Vraiment très beaux. Et voilà. Et le plus important, la toile. Alors, elle a été surjetée. Oh là là, elle est grande. Alors, attendez. Voilà. Mais elle est très grande. Voilà. Alors, vous voyez, il y a du bloc. Hein. Vous voyez ici, il y a beaucoup de blocs. Étonnamment. Alors, c'est une 50-66. Elle fait 191 points sur 260 points. Si j'oublie pas, je vous mettrai le nombre de petites croix que vous allez devoir broder sur cet ouvrage. Niveau impression. Alors, attendez, je la plie en deux, ce sera plus facile. Alors, c'est bien droit déjà en haut. C'est très très bien, il n'y a pas de décalage, c'est très lisible. Bon, ce que j'aime pas trop, c'est alors il est où là?
voyez, quand on a des petites flèches comme ça à côté des petits points, des fois ça porte un peu à confusion. Bon, moi avec ma lampe loupe, ça va, mais. Et de l'autre côté. Hop. Vous voyez. C'est très très bien imprimé, comme d'habitude. Il n'y a jamais eu de problème. Voilà. Alors, vous allez retrouver, alors je vais la laisser plier en deux, vous allez retrouver ici le dessin, bon, pas très lisible hein, parce que c'est trop petit, tout vos, votre légende avec les symboles, les numéros de fil que vous retrouvez sur la plaquette et les références DMC. Voilà. Bah, écoutez, moi j'aime déjà beaucoup cette broderie. Elle est au prix de 15,99 €. Voilà. Le deuxième kit, le voici. Donc, celui-là, c'est un hop. DIY cross-stitch. Voilà. Alors, j'ai... Y a qui a fait la remarque? Je crois que c'est Isa. Je crois que c'est toi qui as fait la remarque. Alors, hop, est-ce qu'on voit en plus grand? Voyons, voyons. J'essaye de. Là, il y a une marque. Donc, DIY Cross Stitch, ce serait peut-être bien la marque de Mona Lisa. Voilà, ce serait bien cette marque-là. On cherche toujours les noms des marques, des fabricants. Mais je crois que. Il faudra que je fasse des recherches pour regarder. Mais je crois que ça doit être la marque de DIY Cross Stitch. Voilà. Alors, voilà le dessin que j'ai choisi cette fois-ci. Alors, le titre, c'est La fée sorcière au pivoine. Voilà. Donc, je pense qu'on va avoir du noir. Alors, on a un patron. Voilà, mais bon, il est en papier glacé, mais... Hein, voilà. Et il est quand même petit. Ils essayent de faire des efforts, hein, mais il est petit. Voilà. Donc là, on retrouve la légende, comme d'habitude. Avec le numéro des plaquettes, les symboles, les références DMC et les couleurs à peu près réelles que l'on va retrouver. Et on a... Ah, tiens, on a beaucoup de couleurs. Enfin, beaucoup. On a 30 couleurs pour une fois. 30 références. Alors, oh, j'aurais cru qu'il y aurait eu plus de noir que ça. Tiens. Alors, on a nos deux aiguilles ici. On n'a pas de petit toolkit. Alors, est-ce qu'on a... Ah ben non, on n'a même pas de noir. Non, il n'y a pas de noir. Il y a le 939. Voilà. Ah ben j'aurais cru qu'il y aurait eu du noir. Mais non, il n'y en a pas. Bon. Alors, je vous montre tout de suite les couleurs. Rouge, prune, gris, bleu, les gris, toujours aussi brillants les fils. Oh, qu'il est beau celui-là, regardez-moi ça. Et de l'autre côté, voilà, ça c'est notre 939. Là, on a deux faux blancs. Celui-là, vous ne le voyez pas bien, mais il est rosé. Et un petit vert d'eau. Là, vous le voyez un peu bleu, mais il est vert d'eau. Voilà.
Bah, je voyais, j'aurais cru qu'il y aurait eu des couleurs plus foncées en plus grande quantité, mais non. Alors, voilà la toile. Donc là, c'est pas une très grande, hein, donc elle doit faire. Un petit 30 sur sur 40. Voilà. Et à la base, donc c'est une 40-50. Donc c'est 30, c'est une 30-40. Oh, pardon, je vous ai laissé en zoom. Voilà, vous voyez mieux. Beaucoup de blocs quand même. Pas trop de confettis, étonnamment également. Il n'y a pas de confettis. Bon, là, on voit son visage ici. Voyez. Son bras. Hop, hop, hop. Voilà. Et après, ici, il va y avoir les fleurs. Voilà. Non, mais ça va. Alors, on va regarder au niveau de l'impression. Alors là, ce n'est pas surfilé, hein. Il faudra le surfiler avant de le faire, si vous, enfin, si vous le souhaitez. Mais c'est quand même conseillé, hein. Voilà, au niveau de l'impression, bah, écoutez, ça me semble bien. Je vais vous zoomer, ça, on verra mieux. Non, c'est pas mal. Alors, je ne vous ai pas montré, c'est les symboles, les voici. J'ai oublié de vous les montrer. Bon, c'est toujours à peu près les mêmes, hein, c'est ce que je disais sur le précédent kit. Voilà. Ici, on a un peu plus de changement de couleur, mais ça va. Non, ça va. Ça va pas être une toile compliquée. Très, très bien. Alors, celle-ci, donc c'est une 40-50, mais en réel, donc 40, 30-40. C'est une 11 CT avec 30 couleurs et elle est à 9,99 €. Voilà. Voilà, je vous remontre les deux kits que je vous ai présentés. Donc la fille de survie ici au prix de 15,99 € et la sorcière, la fée sorcière au pivoine. Voilà. Et là, il y a Fifi qui passe juste pour m'embêter. Alors à 9,99 €. Voilà. Bah, écoutez, dites-moi si ce genre de broderie vous plaît. Si vous les avez déjà faites, pourquoi pas? Si vous avez envie de les faire, si vous avez envie de les acheter. Si vous les achetez, ben, pensez à profiter du code promo, hein, Didit moins 5. Je vous le remets également en barre d'infos. vous avez une grosse tête de fifi qui passe. Et non, fifi, s'il te plaît. Voilà. Et oh là, t'as un gros nœud dans ta papatte, dans les poids-poils. Maman, il va falloir qu'elle les fait. Elle n'aime pas ça, les poids-poils. Que maman fait les poils. Je vous remets en barre d'infos les liens des articles que je vous ai présentés, le lien de la boutique également. Donc n'hésitez pas à les visiter. Il y a plein, plein, plein de belles choses aussi sur la boutique GBFKE. Moi, je les remercie beaucoup pour leur gentillesse, leur générosité. Et je suis toujours très heureuse de collaborer avec eux. Voilà. Allez, je vous laisse avec Fifi qui n'arrête pas de passer. Nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous. Tu veux dire au revoir? Au revoir.